Je travaille souvent entre décalage entre tradition et modernité. Et je pense qu'en Espagne, on est très fort dans tout ça. Donc je dis toujours qu'on mélange Beyoncé avec les Vierges. Donc il y a un univers qui s'est créé dans tout ça, où j'ai travaillé notamment sur le travestissement, transformation. Donc je pense qu'il y a un travestissement de la couture de l'intérieur. Quand on mélange les choses dans les festivités, il y a un univers hybride et travesti qui s'est créé, qui nourrit ma pratique. C'est vraiment un univers qui m'alimente, autant les folklores, notamment espagnols. J'essaie toujours de faire quelque chose de burlesque, de m'approprier des certains codes pour jouer, pour rigoler un peu. Évidemment, les kits, c'est un univers quotidien, les productions traditionnelles, les objets, les représentations, les costumes, les coiffures, tout ça qui vient alimenter mes pièces, mes sculptures et tout ça. Donc j'essaye de créer des formes hybrides à partir de tout cet univers. Je mélange tout ce qui est haute culture, basse culture, j'essaye de frôler les limites de tout ça et jouer avec. C'était quelque chose de naturel pour moi de m'approprier d'autres codes. Après, j'avais besoin d'activer ces objets que j'ai créés, ces pièces qui ont devenu des prothèses, des masques, qui s'activaient dans l'espace d'exposition, ce qui me permettait de perturber cet espace et de le questionner. Et après, c'était naturel d'introduire la musique et la danse dans tout ça. Donc, c'est devenu quelque chose de performatif. J'ai eu un besoin aussi de travailler avec des personnes. Et cette année, j'ai pu faire une collaboration avec Jonathan Bell, avec un projet en Australie, Common Ground, avec Keke Villavelda, où j'ai créé les costumes, un genre d'univers, des découvertes, exploration d'un monde qui n'existe pas. Je m'y ai toujours travaillé sur l'onirique et frôler aussi mon univers avec le réel. Et chez Deliciae, en fait, c'était mon projet de résidence pour la Casa. Je voulais partir du monde des jardins des délices de Jérôme Bosch pour créer un univers voilà, onirique, perturbant, mais aussi qui peut parler du corps humain, du plaisir, mais où il y a une partie de religiosité. Ce sont des codes et des choses qui sont toujours dans mon travail. Je me suis rendu compte que mes sculptures étaient des personnages et que j'ai créé des personnages, des pièces vivantes qui étaient comme des sculptures aussi. Donc j'ai frôlé un peu tout ça dans l'espace d'exposition.